ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 La croix est une folie
l'Église est vaine. Amen. Toute prédication est vaine. Amen. Toute prière est vaine. Amen. Donc voyez-vous l'importance, n'est-ce pas, pour chaque enfant de Dieu, pour chaque croyant, de comprendre le mystère de la croix. C'est cela que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, à explorer dans les Écritures saintes. Mais le but, c'est que tu saches que c'est par la croix que ta vie chrétienne est basée. Car ta délivrance passe par la croix. Ta guérison passe par la croix. Ton salut passe par la croix. Ton mariage passe par la croix. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous éloigner un peu du monde pendant ces 3 jours. Nous serons portés, comme on nous l'a enseigné, vers une montagne. Et c'est là, à Golgotha, ensemble avec lui, nous serons crucifiés, nous serons mis à mort avec lui. Et nous serons ensevelis avec lui. Et nous résisterons avec lui. Et nous serons glorifiés avec lui. Et avec lui, pendant ces 3 jours. Des révélations, 3 jours de délivrance, 3 jours de miracles, car bien aimé, c'est à la croix que Jésus a prononcé l'une des paroles importantes de son ministère. Et là, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. La rémission des péchés est accomplie. Le pardon est accompli. La guérison est accomplie. Le travail est accompli. Le mariage est accompli. Les enfants. Le Seigneur répond. Amen. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré.
Cherchez-vous
celui qui est vivant parmi les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons travailler ensemble dans le domaine de la révélation pour mieux comprendre la profondeur, la dimension prophétique de la croix, ce qu'elle nous a donné et ce qu'elle fait aujourd'hui dans la vie de l'Église, dans la vie des enfants de Dieu. Cette croix qui nous a sauvés. Vous savez, comment on peut définir les concepts même de la croix? Une croix, c'est un bois, tout simplement. Un pied droit, c'est un arbre. C'est facile que cela. Dans l'histoire, le premier peuple qui mettait les hommes à mort sur une croix, c'était les Phéniciens, les Grecs et les Romains ont appris des Phéniciens comment mettre quelqu'un à mort sur un bois ou on va dire sur la croix. Cela n'était pas dans la tradition juive. Les juifs ne tuaient pas ceux qui étaient condamnés sur un bois. Mais comme vous le savez, sous la loi, c'est par la lapidation. C'est le jet de pierre, comme le diacre Étienne a été mis à mort. Mais qui était pendu sur le bois? Chez les Romains, autant anciens comme au temps de l'empereur Constantin, qui méritait cette façon horrible de mourir? Par l'étouffement, des coups et blessures, par pendaison ou attaché au bois, on devrait mettre à mort au bois les grands criminels, les personnes qui étaient condamnées pour des lourdes peines. Des assassins, des personnes qui étaient reconnues comme de brigands, de voleurs à main armée, des tueurs en série. Ces personnes étaient dangereuses, dangereuses pour la sécurité des autres, condamnées à mort et ils devaient mourir. De cette mort humiliante, honteuse, honteuse pour eux, honteuse pour leur famille. Mais les faire mourir dans la souffrance, la douleur, la plus atroce. Voilà les personnes qui étaient qualifiées pour être mises à mort sur un bois. Chez les Romains. Alléluia. Amen. Vous savez que la célébration de la Pâque et même le mystère de la croix a été planifié par Dieu avant même qu'Adam et Ève soient créés. Dieu n'a pas attendu les péchés de l'homme, la désobéissance de l'homme, pour, n'est-ce pas, mettre à exécution son plan de rédemption.
le plan de rédemption, le rachat de l'homme, alors que ce rachat devait passer par la mort de son fils. Bien-aimé, Jésus était planifié par Dieu avant le commencement de toutes choses. Alléluia. Souvent, quand nous parlons de la Pâque, nous remontons à l'historique de la Pâque en parlant de la Pâque à l'Égypte. C'est là que Dieu va instituer la Pâque quand il va demander aux Hébreux d'immoler un agneau et de mettre le sang sur les lintres de maison, sur les poteaux, de manière à ce que son peuple soit épargné de la mort. Mais laissez-moi remonter aux origines, c'est dit dans le livre de Genèse. Dieu, quand nous lisons dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 13, verset 8. Apocalypse 13, 8. Nous lisons la parole de Dieu. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre adoreront son dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alléluia! Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans les livres des vies de l'agneau qui a été immolé. Dès la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Avant Adam, l'agneau a été immolé. Avant Ève, l'agneau a été immolé. Et lisons 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 au verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Alléluia! La fondation du monde. L'histoire de Golgotha, la scène qui se passe à Golgotha n'est que l'exécution du plan divin, du plan de Dieu. Satan n'a jamais mis Jésus à mort. Satan n'a jamais tué Jésus. Les hommes n'ont jamais tué Jésus. Les hommes n'ont jamais mis Jésus à mort. Dieu s'est donné. Dieu s'est livré pour racheter l'homme du péché. Il s'est donné lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné personne. Souvenez-vous, quand le militaire, les soldats romains sont venus arrêter Jésus devant le Seigneur, et ils ont reculé et ils sont tombés par terre. Et le Seigneur leur dit, qui cherchez-vous? Et personne
ne pouvait dire, c'est toi. C'est lui qui leur dit, c'est moi que vous cherchez. Laissez mes disciples partir. Amenez-moi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la profondeur de la connaissance des choses qui étaient jusque-là cachées de Dieu. Et ces choses, Dieu ne les a pas fait comprendre, connaître aux sages de ce monde, mais aux fils de la révélation que nous sommes. Prédestiné, Jésus est prédestiné avant que Dieu crée l'homme à son image. Jésus est déjà prédestiné pour mourir. C'est-à-dire que Dieu est en avance des événements. Dieu sait demain ce qui va t'arriver. Dieu sait ce qui va t'arriver l'année prochaine. Mais avant ta naissance, Dieu connaît les problèmes qui vont se poser dans ta vie. Alléluia. Et parce que Dieu connaît les problèmes qui vont se poser dans ta vie, Dieu a prévu des solutions à ces problèmes. Dieu, dans son omniscience, Dieu est omniscient, il connaît les choses à l'avance, il connaît les voies de l'homme à l'avance. Dieu savait que lorsque je vais créer l'homme et je vais créer la femme, ils seront placés dans les jardins, je vais leur donner des prescriptions, des interdits. Dieu savait que l'homme et la femme, un jour, vont pécher. Alléluia. Amen. Dieu savait que l'homme et la femme, un jour, vont pécher. Et il avait un plan B. Amen. Pour l'homme. Prédestiné. Je suis prédestiné avant la fondation du monde. Non. Ce n'est pas parce que les hommes ont commencé à souffrir sur la terre. Ce n'est pas à cause des difficultés des hommes qu'un jour, Dieu dit à son fils, je t'envoie, tu vas sur la terre pour aider les hommes. Bien avant ta maladie, Dieu savait qu'un jour tu tomberas malade. Amen. Dieu savait que quelqu'un souffrira des cancers. Dieu savait que quelqu'un souffrira des sida. Dieu savait que quelqu'un souffrira de l'AVC. Dieu savait que quelqu'un sera dans la pauvreté. Dieu savait que quelqu'un souffrira de ceci et de cela. Avant même que tu sois né, Dieu savait ce qui t'arrivera. Et c'est pour cela, avant que tu ne sois né, Dieu avait déjà immolé son fils unique, Jésus-Christ, pour faire face à ta situation. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas encore formé dans le ventre de ta mère, mais Dieu avait déjà un plan de sauvetage pour ta vie. Dieu avait un plan de délivrance pour toi. Dieu avait un plan de guérison pour toi. Jésus était prédestiné pour toi. Ce n'est pas parce que quand tu es malade, tu pleures, tu dis à Dieu, voilà, j'ai telle maladie, j'ai le cancer, j'ai le sida, j'ai la tuberculose, j'ai mal au dos, que Dieu a l'information te concernant. Dieu a toutes les informations concernant ta santé avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Mais il t'avait déjà guéri. Alléluia. Parce que Jésus a été immolé avant ta naissance. Et il a été immolé pour toi. Il a été immolé pour la rémission de tes péchés,
pour que tu obtiennes le pardon de Dieu, pour que tu sois guéri, pour que tu aies l'argent. Parce que la Bible dit que lui, il a été fait pauvre pour que toi, tu sois enrichi. Avant que tu viennes au monde, Dieu t'a vu pauvre. Dieu t'a vu dans la pauvreté. Et c'est pour cela qu'à la croix, la pauvreté a été sacrifiée, la pauvreté a été crucifiée avec Jésus pour que toi, tu sois enrichi. Alléluia. Il a planté un jardin à Éden. Et dans le jardin, il a placé l'homme et la femme. Et ce dernier devait gouverner sur les autres créatures. Mais au milieu du jardin, Dieu va planter deux arbres. Au milieu du jardin, il y a deux arbres. Souvent, nous parlons d'un arbre et pas de l'autre. Il y a l'arbre de vie au milieu du jardin. Mais il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Mais quand Dieu dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits des arbres, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu ne lui dit rien sur l'arbre de vie. Lisez Genèse. Mais il y a l'existence de ces deux arbres. Quelqu'un dirait, pourquoi Dieu a-t-il planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sachant que l'homme pourra faillir le péché? Parce que Dieu met l'homme devant sa responsabilité. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. C'est à l'homme de choisir. Parce que Dieu a voulu que l'homme soit responsable. Ces deux arbres au milieu du jardin représentent deux systèmes, deux mondes spirituels. Monde spirituel. L'arbre des vies représente Christ au milieu du jardin. L'arbre des vies représente la lumière. L'arbre des vies représente la vie. C'est pour cela que cet arbre est appelé arbre de vie. Genèse 2. Alléluia. Et la parole au nom de Jésus. Genèse 2, versets 7 à 9. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. L'arbre de la vie est une figure de Christ. L'arbre de la vie représente la lumière, la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente les ténèbres. C'est là l'origine de la sorcellerie. C'est là l'origine de l'occultisme. Quand Adam
a touché au fruit. Quand Ève, en commençant par Ève, a touché au fruit, la Bible dit que le fruit était bon pour la vue. Leurs yeux se sont ouverts. C'est là l'origine de la sorcellerie. C'est là l'origine de la magie, de l'occultisme. Ils ont développé leur intelligence et leur connaissance. Mais ne venant pas de Dieu, venant du diable, venant de Satan. Voilà pourquoi Dieu dit, après les avoir encore manifesté son amour, alors qu'ils étaient nus, il tue un animal. Et avec la peau de l'animal, il fait des vêtements pour Adam et Ève, pour couvrir leur nudité. C'est l'acte de la croix. Cet acte est une préfiguration de la croix de Golgotha. Dieu dit, voilà que l'homme et la femme, Adam et Ève, deviennent comme nous. Nous ne pouvons pas les garder dans le jardin. De peur qu'ils aillent toucher à l'arbre de la vie qui est une figure de Christ. Alors Dieu chassa Adam et Ève du jardin et il plaça les chérubins, les anges, pour surveiller les chemins qui mènent vers l'arbre de la vie. Pourquoi Dieu les a sortis du jardin? Parce qu'après avoir péché, ils sont morts spirituellement. Et Dieu a besoin de les ramener à la vie. Or, s'ils étaient partis toucher à l'arbre de vie, ils ne seraient plus morts. L'homme éternellement. Dieu ne veut pas voir l'homme demeurer dans le péché. L'homme n'est pas dépendre de lui. Voilà pourquoi il va les chasser du jardin, de peur qu'ils avancent pour toucher à l'arbre de vie. Et ce mot arbre, dans le Nouveau Testament, en grec, va donner la signification du bois. Voilà pourquoi dans beaucoup de passages du Nouveau Testament, on parle du bois. C'est-à-dire pour parler de la croix. Donc, Dieu, dans le jardin d'Éden, va chasser Adam et Ève de peur qu'ils arrivent à toucher, n'est-ce pas, à l'arbre de vie. Mais il faut comprendre que là, nous sommes dans la dimension prophétique de la croix. Christ est immolé, prédestiné à être immolé avant la fondation du monde. Le mot immolé veut dire donner la mort avec violence. Tuer. Égorger. Torturer. À mort. Détruire le corps. Blesser la chair. Et quand dans l'épître de 1 Pierre,
au chapitre 1er, verset 19 à 20, nous avons dit que Christ était prédestiné à être immolé. Christ avait été prédestiné à mourir de la manière dont il est mort. Il n'est pas mort de cette manière, de la volonté du pouvoir romain, mais il est mort. Il a souffert de cette manière, de la volonté que Dieu a voulu, parce que c'est seulement de cette façon de mourir que Christ devrait porter à la croix nos péchés, nos maladies, nos souffrances. Voilà pourquoi, quand il est venu, on l'a appelé Dieu parmi les hommes. Emmanuel, il devrait prendre la forme humaine. Porter le corps de l'homme, le sang et la chair. Envie de prendre les ordures de l'homme. La méchanceté de l'homme, les péchés de l'homme, la maladie de l'homme, la pauvreté, la malédiction. Et transporter toutes ces choses, toutes ces ordures à la croix, crucifiées afin que l'homme soit dépouillé du vieil homme. Amen. 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 Mais dans la parole de Dieu, la croix a été annoncée. Ce n'est pas le pouvoir romain qui va annoncer la croix au monde. Dieu lui-même avait déjà, dans Genèse, annoncé à Satan la croix. C'est Dieu qui donne rendez-vous. C'est Dieu qui donne rendez-vous à Satan. Tu as fait tomber l'homme que j'ai créé à mon image, Satan. Voici ton jugement. Je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Le mot inimitié en hébreu, dans le contexte du texte de Genèse, veut dire hostilité, guerre. Hostilité. Inimitié. Dans Genèse, Genèse chapitre 3, verset 18. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 14, à partir du verset 14, Genèse 3, 14, jusqu'au verset 15. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui berceras le talon. Alléluia! Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien! Ok. Entre celui qui écrase la tête et celui qui, en écrasant la tête du serpent, est blessé au talon, qui est le plus fort? Qui est vainqueur? Parce que écraser veut dire mettre quelque chose en miettes. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'aujourd'hui, ta maladie sera mise en miettes. Ta souffrance sera mise en miettes. Alléluia! Tes problèmes
dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Marcher, écraser. Amen. Satan a été écrasé à la croix de Golgotha. C'est le rendez-vous que Dieu lui a donné. Et il devait à ce rendez-vous rencontrer un lion, un lion, un lion, le lion de la tribu de Juda, le lion de fort. Tout ce qui passe à côté du lion est dévasté. Le diable devait être mis à l'échec, à la croix. Voilà pourquoi Jésus peut dire avec fierté, avec dignité, tout est accompli, oh papa. Mission accomplie, oh père, mission accomplie. Ça y est, Satan a perdu la bataille. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi, je vaincu le monde. Il a vaincu Satan, il a vaincu la maladie, il a vaincu les péchés, il a vaincu la mort, il a vaincu toutes les tribulations. Et cela se passe ici, ici, ici. Oh, Jésus, je la crois, je la crois, je la crois. Je la crois, c'est là où je vais tirer la puissance, c'est là où je vais tirer l'onction, c'est là où il y a la vie, c'est là où il y a la vie. Ces bois, cet arbre qui était au milieu du jardin, dans Genèse, on l'a appelé l'arbre de vie. Mais cet arbre peut s'appeler autrement. Alléluia. Parce que dans Lévitique, la Bible dit que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et quand je suis venu un jour, il parlait, il dit, si vous voulez avoir la vie, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Alléluia. Parce que la vie est dans le sang. L'arbre de vie sera appelé autrement l'arbre du sang. L'arbre du sang. Parce que la vie que Christ donne est dans son sang. Pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre seulement et donner la puissance à son fils d'écraser la tête du serpent, d'écraser le serpent sans que le serpent puisse blesser Jésus? Non, parce qu'il fallait que le sang sorte de son corps. Parce que c'est ce sang précieux qui nous a rachetés. Voilà pourquoi la Bible dit que par ce blessure, alléluia, par ce blessure, nous sommes guéris. Et où il est blessé? C'est là. C'est là où il est blessé. La tête est blessée. Les mains, les pieds, c'est là. Les côtes. Le sang jaillit. Et ce sang est en train de jaillir sur quelqu'un pendant que je parle. Pour libérer la délivrance. Pour libérer la guérison. Ce sang est en train de jaillir sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Pour te purifier. Dieu a annoncé prophétiquement le rendez-vous de Golgotha. Un jour, Abraham, revenant de la guerre, il rencontre le roi de Salem.
un homme de paix et de justice, qui n'a ni commencement ni fin. On l'a appelé Melchisédek, celui à qui Abraham a remis la dîme de tout. Mais Melchisédek n'a pas voulu laisser Abraham partir sans lui annoncer ce qui devrait arriver dans les temps fixés par Dieu, les temps arrêtés par Dieu, car Dieu est au contrôle des saisons, Dieu est au contrôle des temps. Il donna Abraham du pain et du vin, préfiguration du corps du Christ. Le pain et le corps du Christ et le vin représentent le sang du Christ. C'est une annonce prophétique de la croix que Melchisédek fait à Abraham. Toujours dans le livre de Genèse, Jacob, avant de mourir, va bénir ses enfants. Rapidement, patience, tu peux lire les textes de Genèse 14, 17 à 20. Pendant que Yves cherche Genèse 49, 8 à 12. Yves, Genèse 49, 8 à 12, et patience, Genèse 14, 17 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsque Abraham revint de sa victoire sur Kedorlaomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant, qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Merci. Le pain et le vin que Melchisédek, mais qui est Melchisédek? Quand vous lisez les livres, l'épître aux Hébreux, vous comprenez que c'est Jésus. Il annonce la part. Le pain et le vin. Genèse 49, verset 8 au verset 12. Là, c'est Jacob qui prophétise sur la croix. C'est Jacob. Vous savez, les prophètes avaient parlé de la croix. La Torah a parlé de la croix. Parce que quand nous parlons de Genèse, nous sommes dans la Torah, les cinq premiers livres de Moïse. Voyez-vous? Le problème, c'est que la croix devient un scandale pour les Juifs. Parce que les Juifs avaient entendu parler de la venue du Messie, de la venue du Sauveur. Tout ce qui leur avait intéressé, c'est ce Sauveur qui vient pour vaincre l'occupant romain. Mais ils ignoraient sa mort, sa résurrection, son ascension. Voilà pourquoi la croix était scandaleuse pour les Juifs. Scandaleuse d'abord, pourquoi? Parce qu'on amène à la croix un mauvais, un criminel, un assassin. Comment celui qui est saint, celui qui est fils de Dieu, celui qui est Dieu, peut mourir d'une mort aussi honteuse? Ce sont toutes ces questions qui ont déterminé l'incrédulité des Juifs. Genèse, chapitre 49, verset 8 à 12. Alléluia, je lis la parole au nom de Jésus. Genèse, chapitre 49, verset 8 au verset 12. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'envers ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh.
et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Alléluia! Les temps ne nous permettent pas d'approfondir ces textes, mais là encore, quand vous allez méditer, les textes parlent du sang, parlent du vin et parlent des Judas. Mais il est annoncé que le Sauveur, le Messie, Jésus viendrait de la maison, de la tribu de Judas. Donc, vous avez des annonces prophétiques de la croix. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une volonté. Je suis là pour vous faire comprendre, en ce début du séminaire, que ce n'est pas de la volonté des Romains, ce n'est pas de la volonté de Satan, ce n'est pas de la volonté des ennemis, que Jésus a été mis à mort à la croix. Non, non, non. Amen. Le plan divin avant la fondation du monde, prédestiné à être immolé. Alléluia. Amen. Très important. Parce que si vous regardez la mort de Jésus comme un acte venant de la volonté des hommes, vous êtes à côté de la révélation de Dieu. Voilà, on nous a enseigné par la tradition, par la routine, l'histoire de la mort de Jésus. Comme si, oui, je ne suis pas là pour vous parler de Pilate. Ça, c'est l'histoire. Je suis là pour la révélation. Le mystère de la croix. Alléluia. Je ne suis pas là pour vous raconter, oui, Pilate a lavé les mains, te l'a dit, te l'a raconté. Mais c'est là, ça te fait quoi? Amen, amen. Cela n'a aucun impact sur ta guérison, sur ta délivrance. Ce qui va avoir l'impact, ce qui va changer les choses dans ta vie, c'est quand tu réalises que tu n'étais pas encore né. Dieu connaissait tes problèmes. Dieu avait déjà préparé ton destin. Et dans ton parcours, Dieu avait déjà vu les choses qui arriveront. Et Dieu savait qu'un jour tu seras à l'hôpital. Mais parce que tu seras à l'hôpital, dans son plan divin, son fils bien-aimé Jésus est monté à la croix de Golgotha avec cette maladie qui ronge ton corps. Et parce que cette maladie a été crucifiée, tu es guéri par ce maître sûr. Voilà la dimension prophétique de la croix dans les desseins de Dieu. Ce qui sera aussi important pour nous, c'est de comprendre les choses que Jésus a fait à la croix pour toi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pendant tout le temps où Jésus est resté là, jusqu'à rendre l'âme, jusqu'à dire, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ton intérêt là? Parce que la vie est faite des intérêts. Le monde est fait des intérêts. Alléluia! Si je n'ai pas d'intérêt là, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Tu as un intérêt là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, quand tu es en Christ, Jésus n'est pas allé
la seule. Tu es monté avec lui. Est-ce que tu sais que tu es crucifié avec lui? Alléluia. Quand Jésus dit, Père, pardonne-les, tu as été pardonné. Quand Jésus dit, tout est accompli, tout est accompli dans ta vie. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il est bon. Bien-aimés, demain après-demain, nous verrons les trois types de délivrance que Jésus a opéré à la croix. Pour chacun d'entre nous, les trois types de délivrance que Jésus a opéré à la croix. Il a opéré trois types de délivrance. Jésus a opéré la délivrance du péché et de la mort. Voilà pourquoi je disais à la sœur Christine, tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Vous savez, après son témoignage, elle a témoigné dimanche. Lundi, elle a reçu un courrier d'un hôpital où je lui avais dit, mais ne tournez pas dans cet hôpital parce que j'ai l'impression qu'il y a une connexion entre l'ennemi et les gens qui sont là-bas. Il y a des connexions. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais je suis en train de vous dire que partout où nous posons nos pieds, il y a des connexions. Tu vas au tribunal, il y a des connexions. À l'école, il y a des connexions. À l'hôpital, il y a des connexions. Au travail, il y a des connexions. Partout, il y a des connexions. Elle a témoigné sa guérison dimanche. Amen. Et le lundi, nous sommes en train d'aller la visiter avec Maman Bichon. Elle et son mari, elle reçoit un courrier. Le médecin dit, tu es convoqué pour commencer ton traitement. Dimanche, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Il y a un médecin qui a dit, tu es guéri. Mais d'abord, Jésus a dit, tu es guéri. Un médecin qui a dit, tu es guéri. Un autre qui a dit, tu es guéri. Mais voilà un autre. Le lundi de son témoignage. Tu viens commencer ton traitement. J'ai dit, laisse à la poubelle. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, mets-moi ça à la poubelle. Parce que nous sommes au contrôle. Amen. Parce que nous sommes au contrôle. La semaine dernière, elle m'a vu avec un examen. Elle m'a dit, je ne vais pas voir le médecin sans que tu voies cet examen. Je prie cet examen. J'ai annulé tout ce qui était dedans. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, elle est allée voir son médecin avec cet examen. Tout ce que j'avais annulé. Le médecin dit, tu es guéri, tu n'as rien. Ce que je fais avec toutes ces maladies parmi vous, qu'est-ce que je fais avec tous ces démons qui dérangent? Qu'est-ce que je fais avec tous ces problèmes? Qu'est-ce que je fais? Je prends tout. J'ai la ferme conviction, j'ai la foi. Quand je marche,
marche. Et je prends cette direction. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai des réponses. Alléluia. Trois délivrances. Venez nombreux demain. Dimanche encore. Premier type de délivrance. La délivrance du péché et de la mort. Dans la délivrance du péché et de la mort, il y a la guérison, parce que la maladie, elle est le fruit du péché. Cette délivrance du péché et de la mort a été opérée à la croix de Golgotha. Deuxième délivrance. La délivrance des démons. Cette délivrance a été opérée à Golgotha. Troisième type de délivrance que Jésus a opéré à la croix, la délivrance de la malédiction à la croix de Golgotha. Nous parlerons de ces trois types de délivrance. Et nous ferons la démonstration de la puissance. Alléluia. Lève-toi là où tu es.